Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Concours kangourou des mathématiques 2018, sujet C. Question facile. 1. Combien vaut 20 plus 18 sur 20 moins 18? Réponse A, 18. Réponse B, 19. Réponse C, 20. Réponse D, 34. Réponse E, 36. 2. Les trois côtés d'un triangle mesurent respectivement 6 cm, 10 cm et 11 cm. Combien mesure le côté d'un triangle équilatéral de même périmètre? Réponse A, 6 cm. Réponse B, 9 cm. Réponse C, 10 cm. Réponse D, 11 cm. Réponse E, 27 cm. 3. Si dominos sont placés en ligne. Pika veut obtenir une ligne correcte, c'est-à-dire où deux demi-dominos côte à côte portent le même nombre de points. Combien de dominos Pika doit faire pivoter d'un demi-tour pour obtenir une ligne correcte? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. Réponse E, 5. 4. Quel nombre doit remplacer arrobase pour que l'égalité 2 fois 18 fois 14 est égale à 6 fois arrobase fois 7 soit vrai? Réponse A, 8. Réponse B, 9. Réponse C, 10. Réponse D, 12. Réponse E, 15. 5. Yanis assemble des marches de 30 cm de profondeur et 15 cm de hauteur afin de construire un escalier entre le premier étage et le second. Combien de marches lui faut-il si la distance d'un plancher à l'autre est 3 mètres? Réponse A, 8. Réponse B, 10. Réponse C, 15. Réponse D, 20. Réponse E, 25. 6. Un rectangle de dimension 7 x 11 contient deux cercles tangents, chacun à trois côtés du rectangle, voire figure. Quelle est la distance entre les centres des deux cercles? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. Réponse E, 5. 7. Le portillon de Juju est en bois ajouré. Hier, il était bien en place, comme sur la figure ci-contre. Ce matin, Juju a trouvé son portillon tombé au sol. Lequel de ces 5 dessins représente ce que Juju a vu en s'approchant? 8. Le côté du carré IJKL mesure 30 cm. Les points M et N situés sur les côtés IL et IJ sont tels que le carré est partagé par les segments KM et KN en trois parties de même R. Combien mesure LM? Réponse A, 18 cm. Réponse B, 20 cm. Réponse C, 22 cm. Réponse D, 24 cm. Réponse E, 25 cm. Alors, première question. Combien vaut 20 plus 10? 20 plus 18 sur 20 moins 18. 20 plus 18, 38. 38 divisé par 2, eh bien, ça nous fait 19. Réponse B. Trois côtés d'un triangle mesurent respectivement 6 plus 10 plus 11. Donc là, c'est le périmètre du triangle. Donc 16 plus 11, 27. Alors, combien mesure un côté d'un triangle équilatéral, donc de même périmètre? Donc ici, un triangle équilatéral à trois côtés de même longueur, donc il faut diviser par 3, 27, qui est égal donc à 9. Et donc ici, c'est la réponse B. Alors ici, on veut faire tourner, pivoter d'un demi-tour pour obtenir une ligne correcte. Donc ici, on a bien. Alors ici, le 1, il est ici, donc il faudra pivoter celui-ci. Donc il faudra pivoter ce domino-là. Donc là, ça ferait 1, 3. Ici, on a 4, 3, donc il faudra aussi pivoter celui-ci. 3, 4, 4, 5, il faudra pivoter celui-ci. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Alors ici, arrobase, 2 fois 18 fois 14. Alors, on peut dire que c'est 2 fois 9 fois 2 fois 2 fois 7. On a 6. Donc là, on peut dire 2 fois 3, 9 c'est 3 fois 3, 2 fois 3 fois 3, fois 2, fois 2, fois 7. Donc
ça c'est une décomposition en nombres premiers. Donc ici, 2 fois 3, on connaît, c'est 6. Et 7, on le retrouve ici. Donc arrobase est égal à 3 fois 2 fois 2. 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Donc ça va être la réponse D. Alors ici, combien de marches plus faut-il si la distance d'un plancher à l'autre est de 3 mètres. Donc ici, on aurait une hauteur de 3 mètres. 3 mètres ici, c'est 300 cm. 300 cm. Et donc, 300 divisé par 15. 15 fois 2, 30. Fois 10, 300. Donc ici, on aurait 20. Donc réponse D. Un rectangle de dimension 7 fois 11 contient deux cercles tangents. Donc on va agrandir la figure. Et donc, par exemple, ici, on aurait le premier centre. Ici, le deuxième centre. Donc ici, on aurait 3,5 cm. Ici, on aurait 3,5 cm. Hein, parce que ici, le diamètre est ici. Le diamètre du cercle est ici. C'est le même diamètre pour les deux cercles. Et donc, diamètre égal à 7. Donc le rayon est égal à 7 divisé par 2, 3,5. Maintenant, on sait que la longueur du rectangle est de 11. Donc ici, pour avoir la distance, ici, D. Eh bien, D est égal à 11 moins 2 fois 3,5. 2 fois 3,5, c'est 7. 11 moins 7 est égal à 4. Réponse D. Alors, quand on retourne le portillon, ici, ça va être une rotation de 180 degrés. Donc ici, on a le portillon a fait une rotation de 180 degrés. Alors, ici, on voit un triangle tête en haut, donc ici ça va être bas, ici en haut, bas, en haut et en bas. Donc ici, bas, haut, bas, haut, bas. Alors ici, ça ne convient pas. Bas, haut, bas, haut, bas, ça convient. Bas, haut, bas, haut, bas, ça convient aussi. Donc ça va se jouer entre B et C. Parce que ici on aura haut, bas, ça ne va pas. Bas, 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 E. Ça ne va pas. Alors, maintenant on essaye de placer les ronds et vous voyez que les ronds, ils sont prêts. Là vous voyez un rectangle. Eh bien le rond, il va se placer en bas du rectangle. Il est en haut du rectangle, donc s'il fait une rotation, il est en bas du rectangle. Voilà. Donc ici, ça va être la réponse C. Alors, question 8. Donc on a un carré de 30 cm de côté. Et ici, nous avons trois parties de même R. Partage. Le carré en trois parties de même R. Donc cet R là est égal à cet R là, cet R là. Alors on va noter X est égal à LM. Donc, c'est ce qu'on va trouver. Donc LM est égal à X. Donc l'air du triangle LMK, eh bien c'est, donc ici c'est 30, 30 fois X divisé par 2. C'est égal à 15. Or, l'air du carré, donc ici l'air de IJKL, IJKL est égal à, donc ici 30 fois 30, 900. Et donc, l'air de LMK, donc ici c'est 15 fois X, l'air de LMK, vérifie, 15X est égal à 900. Divisé par 3, 300. Ici, x est égal à 300 divisé par 15. 300 divisé par 15, ça fait 20. Donc ici, 20 cm, c'est la réponse B. Nous passons maintenant aux questions de difficulté moyenne.
9. Maud a écrit le résultat d'une multiplication de deux nombres à deux chiffres, puis elle a caché trois des chiffres. Quelle est la somme des trois chiffres cachés ? Réponse A, 5. Réponse B, 6. Réponse C, 9. Réponse D, 12. Réponse E, 14. 10. Un rectangle est partagé en plusieurs rangées de petits carrés. Il y a en tout 40 petits carrés identiques. André trouve la rangée du milieu en coloriant les carrés. Combien reste-t-il de petits carrés non coloriés dans le rectangle ? Réponse A, 20. Réponse B, 30. Réponse C, 32. Réponse D, 35. Réponse E, 39. 11. Une boîte contient des pièces de 10, 20 et 50 centimes. Lila y prend des pièces une par une et s'arrête dès qu'elle a trois pièces identiques. Combien d'euros au plus a-t-elle pu retirer de la boîte ? Réponse A, 2,10€. Réponse B, 2,20€. Réponse C, 2,30€. Réponse D, 2,40€. Réponse E, 1,50€. 12. La figure montre un rectangle et une droite D parallèle à deux des côtés du rectangle. K et L sont deux points de D. La somme des aires des deux triangles grisés est 10 cm². Quelle est l'aire du rectangle ? Réponse A, 18 cm². Réponse B, 20 cm². Réponse C, 22 cm². Réponse D, 24 cm². Réponse E, cela dépend de la position des points K et N. 13. Nabil marque 11 points dans l'ordre, de gauche à droite, sur une droite. La somme des distances entre le premier point et tous les autres vaut 2018. La somme des distances entre le deuxième point et tous les autres, y compris le premier, vaut 2000. Quelle est la distance entre le premier point et le deuxième ? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. Réponse E, 5. 14. Un hôtel des Caraïbes affirme dans sa publicité 28 jours de soleil en décembre. Si la publicité dit vrai, combien de jours au minimum faut-il séjourner à l'hôtel au mois de décembre pour être sûr d'avoir 2 jours de soleil consécutifs ? Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 5. Réponse D, 7. Réponse E, 8. 15. Il y a 3 portes et derrière l'une d'entre elles se trouve un tigre. Une phrase est écrite sur chaque porte. Porte A. Le tigre n'est pas derrière cette porte. Porte B. Le tigre est derrière cette porte. Porte C. La somme des trois angles d'un triangle vaut 360 degrés. Une seule des phrases écrites est vraie. Derrière quelle porte se trouve le tigre ? Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, il peut être derrière deux des portes. Réponse E, il peut être derrière les trois portes. 16. Pifou veut connaître la masse d'un livre avec précision. Sa balance donne la masse à 10 grammes près. Quel est le nombre minimum d'exemplaires du livre que Pifou doit peser ensemble pour connaître la masse du livre au demi-gramme près ? Réponse A, 5. Réponse B, 10. Réponse C, 15. Réponse D, 20. Réponse E, 50. Alors, question 9, on va noter ici A, 3 fois 2, B, égale à 3, C, 2. On va poser la multiplication A3 fois 2B. Alors, 3 fois B, 3B. A fois B, AB. 3 fois 2, 6. Donc, il y en aurait 6. A fois 2, 2A. Est égal à, ici, 3, C et 2. Donc, ici, on aurait 2A et 3. Donc, il faudrait ajouter une retenue, en fait. Donc, 2A plus 1 est égal à 3. Donc, A va être égal à 1. Ici, on aurait 3B est égal à 2, ce qui n'est pas possible. Donc, 3B est égal à 12. B va être égal à 4. B va être égal à 4. Donc, ici, AB égal à 4. Or, ici, on aurait 4 plus 6 plus 1, c'est 11. Donc, C va être égal à 1. C est égal à 1. Ainsi, A plus B plus C, 1 plus 4 plus 1,
1 plus 4 plus 1, eh bien ça fait 6, donc c'est la réponse B. Alors, partageant plus 1, rangée des petits carrés, il y a en tout 40 petits carrés identiques. 40 petits carrés identiques. Donc, 3 possibilités pour le rectangle. Un rectangle de 2 x 20, 4 x 10, ou encore 5 x 8. Donc ici, il est en colorie, il trouve la rangée du milieu. Donc si on a une rangée du milieu, vous voyez, par exemple pour 2, donc ici on aurait 2, est-ce qu'il y a une rangée du milieu? Eh bien non, donc ce n'est pas 2 x 20, ce n'est pas 4 x 10, donc il y aurait 8 x 5. 8 x 5, il colorie 8 carrés, 8 carrés, donc 8 x 5 moins 8, donc là 40 moins 8, 40 moins 8, 32. Et donc c'est la réponse C. Une boîte contient des pièces de 10, 20, 50 centimes. Donc là on veut jusqu'à 3 pièces identiques. Donc on aurait pièce de 50, pièce de 50, pièce de 20, une pièce de 20, une pièce de 10 et une pièce de 10. Et pour avoir maximum, eh bien il faut prendre une troisième pièce de 50. 50 plus 50 plus 50, 1,50€. 20 plus 20, 40 centimes. Et là, 20 centimes. Donc 1,50 plus 0,60, eh bien c'est 2,10€. Donc on peut prendre au maximum 2,10€ dans la boîte. On voit que les deux triangles ont même base. On va noter ici H1, la hauteur de ce triangle. H2, la hauteur de ce triangle. On sait que base fois H1 divisé par 2 plus base fois H2 sur 2 est égal à 10. On peut rassembler les deux fractions. Donc ici, on aurait sur 2, on peut multiplier par 2, donc on aurait 20. Or ici, on a un facteur de B et un facteur de B. Donc on va pouvoir factoriser par B. B, H1 plus H2 est égal à 20. Ça c'est la base. H1 plus H2 est égal à 20. Or, H1 plus H2, ça correspond à la largeur du rectangle. Donc ici, base fois H1 plus H2, c'est longueur fois largeur du rectangle, c'est égal à 20. Donc c'est bien la réponse B. Alors, troisième question. Donc Nabil met 11 points sur une droite. Donc 11 points sur une droite, A1, A2, A3, etc. A11. Donc ici, il va y avoir 1, 2, 10 longueurs à calculer. Donc entre A1, A2, A1, A3, etc. etc. Donc, on sait que la somme entre le premier point et les autres, donc A1, A2, plus A1, A3, plus etc., plus A1, A11, donc là il y en a 10, eh bien ça fait 2018. On sait aussi que, donc A1, A2, A1, A3, etc., etc. On sait que A2, A1, A2, A1, plus A2, A3, A2, A3, plus, etc., plus A2, A11, A2, A11 est égal à 2000. Or, pour résoudre cette question, il faut remarquer que quand on a A1, A3, on fait A1, A2 en premier, puis A2, A3. Donc ici, il faut remarquer que A1, A3 est égal à A1, A2, plus A1. 2 à 3. Si bien que, donc, ici, on va reprendre la première équation. A1 à 2, plus A1 à 3, plus, etc., plus A1 à 11, est égal à 2018. Or, ici, on dit que ça fait, donc, A1 à 2, plus A1, A2, plus A2, A3. On peut faire le A1, A4. A1,
A2 plus A2, A4, plus etc., plus A1, A2, plus A2, A11, est égal à 2018. On sait que A1, A2, c'est aussi A2, A1. Et si on va retrouver une fois, deux fois, trois fois, etc., 9 fois, donc 9 fois A1, A2, et A2, A3, A2, A3, plus A2, A4, plus A2, A11. Et bien entendu, 9 fois A1, A2, c'est égal à 2018. Or, tout ceci, eh bien c'est ça, c'est A2, A1, plus A2, A3, etc., etc. Donc ça, ça vaut 2000. Donc 9 A1, A2, plus 2000 est égal à 2018. 9 A1, A2 est égal à 2018 moins 2000, ce qui nous donne 18. Donc 9 A1, A2 est égal à 18. A1, A2 est égal à 18 divisé. Alors, il y a 28 jours de soleil. Combien de jours au minimum faut-il séjourner à l'hôtel? Eh bien, si donc dans un mois de décembre il y a 31 jours, donc ça veut dire qu'il y a 3 jours de non-ensoleillement. 3 jours de non-ensoleillement. Donc pour savoir, pour être sûr d'avoir 2 jours de soleil consécutifs, eh bien, donc le premier, il fait du soleil. Le deuxième, pas de soleil. Troisième, soleil. Quatrième jour, pas de soleil. Cinquième jour, soleil. Sixième jour, non soleil. Septième jour, soleil. Huitième jour, soleil. Donc ici, pour être sûr d'avoir 2 jours de soleil consécutif, il faut passer 8 jours aux Caraïbes. Alors, 15e question, un peu de logique. Donc ici, si B dit la vérité, donc si la porte B dit la vérité, si B dit la vérité, eh bien il va avoir une contradiction avec A. Contradiction avec la proposition A. Pourquoi ? Parce que si B est donc le tigre est derrière cette porte, si c'est vrai, donc le tigre est dans la porte B, donc il n'est pas dans la porte A. Donc A et B disent la vérité. Or, ce n'est pas vrai que la somme des trois angles d'un triangle vaut 360 degrés. Donc, ici, il n'y a qu'une seule possibilité. Si A dit la vérité, ça veut dire que B est faux. Donc, le tigre n'est pas derrière cette porte. Donc, il est forcément dans la porte C. Donc, tigre derrière la porte C. Donc, ici, c'est la réponse C. Alors, je veux connaître la masse d'un livre avec précision. Alors, 16e question, on va peser des livres. Donc, sa balance donne la masse à 10 grammes près. Donc, par exemple, si un livre pèse 55 grammes, donc, la balance, quand si elle pèse un livre, on va voir 60 grammes. Si on pèse 5 livres, 55 x 5, donc on aurait 5 et 275 grammes. Donc là on aurait 280 grammes. Donc ici on aura 5 grammes près. Si on pèse 10 livres, donc fois 10, on aurait 550 grammes. Et là on aurait 550. Mais là on l'aurait au gramme près. Donc si on double, fois 20, eh bien on aurait 1100 grammes, et on l'aurait donc ici 1100 grammes, et on aurait donc la masse du livre au demi-gramme près. Donc ici, c'est la réponse D. Alors maintenant, on va passer aux questions difficiles. 17. Dans le parc des kangourous, le cyprès, le noyer, le platane et le sapin sont les sommets d'un rectangle. La distance du sapin au cyprès est 60 mètres. Celle du noyer au cyprès est 80 mètres.
Le platane est plus proche du sapin que du cyprès. Quelle est la distance du platane au cyprès? A. 80 mètres. Réponse B. 100 mètres. Réponse C. 120 mètres. Réponse D. 140 mètres. Réponse E. Il est impossible de le savoir sans davantage d'informations. 18. Nathan a écrit un entier différent de 1 à 9 dans chaque case d'une grille 3 x 3. Il a calculé la somme des nombres d'une même colonne ou du même billet. Ces 5 résultats sont, dans le désordre, 12, 13, 15, 16 et 17. Quel est le sixième? Réponse A, 17. Réponse B, 16. Réponse C, 15. Réponse D, 14. Réponse E, 13. 19. Il y a 3 candidats au poste de délégué. 130 élèves votent pour l'un d'entre eux, et celui des 3 qui a le plus grand nombre de voix l'emporte. Le dépouillement est en cours. Sonia a 24 voix, Kylian en a 29 et Roman 37. Combien de voix manquent encore à Roman pour être sûr d'être élu? Réponse A, 13. Réponse B, 14. Réponse C, 15. Réponse D, 16. Réponse E, 17. 20. Le drapeau du club de vol à voile représente un oiseau stylisé sur un quadrillage. L'aire de l'oiseau blanc est de 192 décimètres carrés, et les lignes qui le délimitent sont des segments et des quarts de cercle. Quelles sont les dimensions du drapeau? Réponse A, 6 décimètres x 4 décimètres. Réponse B, 12 décimètres x 8 décimètres. Réponse C, 20 décimètres x 12 décimètres. Réponse D, 24 décimètres x 16 décimètres. Réponse E, 30 décimètres x 20 décimètres. 21. Anaïs, Boubou et Chloé font leur course. La dépense de Boubou est seulement 15% de celle de Chloé, alors qu'Anaïs a dépensé 60% de plus que Chloé. Tous ensemble, ils ont dépensé 55 euros. Combien d'euros Anaïs a-t-elle dépensé? Réponse A, 3. Réponse B, 20. Réponse C, 25. Réponse D, 26. Réponse E, 32. 22. Dans la roue ci-contre, le nombre écrit dans chaque case doit être la somme des nombres de deux cases voisines. Deux nombres sont déjà placés. Quel nombre doit se trouver dans la case grisée? Réponse A, moins 7. Réponse B, moins 4. Réponse C, 4. Réponse D, 7. Réponse E, 10. 23. Nina pratique le saut en longueur. La moyenne de ses sauts jusqu'ici est de 3,80 m. Son saut suivant est de 3,99 m. Ce qui fait monter sa moyenne à 3,81 m. Combien doit mesurer son prochain saut pour faire monter sa moyenne à 3,82 m? Réponse A, 3,97 m. Réponse B, 3,99 m. Réponse C, 4 m. Réponse D, 4,01 m. Réponse E, 4,03 m. 24. On lance 2 dés. Les dés sont des dés équilibrés, standards, à 6 faces, marqués de 1 à 6. On calcule la somme de deux nombres obtenus. Quelle est la probabilité que cette somme soit un nombre premier? Réponse A, 1 tiers. Réponse B, 13 36e. Réponse C, 4 9e. Réponse D, 7 18e. Réponse E, 5 12e. Alors, donc le 17. On a un rectangle, cyprès, noyer, platane, sapin. Cyprès, distance entre le sapin et le cyprès, donc c'est 60 mètres. Ici, noyer au cyprès, 80 mètres. Et le platane est plus proche du sapin. Donc le platane est plus proche du sapin que le cyprès. Donc on est dans cette configuration-là. Et donc maintenant, on est dans un rectangle, SN étant la diagonale du rectangle, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc ici, CS au carré, si, donc CS au carré plus CN au carré est égal à NS au carré. Donc on aura 60 au carré plus 80 au carré est égal à NS au carré. 60 c'est 3600. 60 au carré 3600, plus 80 au carré 6400, ns au carré. Ici on aura 10 000, ns au carré, et donc
NS est égal à 100. C'est racine carrée de 10 000, c'est 100. Donc la réponse, c'est la réponse B. Nathan a écrit un entier différent. Donc ici, on aura 12, 13, 15, 16, 17. Donc ici, ça représente des S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. Donc ici, on aura S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 plus S6 plus S7 plus S8 plus S9. Donc là, c'est pour les lignes. Si on fait les colonnes, eh bien on regarde que c'est S1 plus S4 plus S7, S2 plus S5 plus S8, S3 plus S6 plus S9. Donc si on réordonne les termes, eh bien on va avoir ici 2. On va avoir cette somme-là, donc 2 fois S1, S2, plus S3, plus S4, plus etc., plus etc. Donc ici, c'est 2, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, et plus 9. Et ça, ça doit être égal à 12, plus 13, plus 4, plus 15, plus 16, plus 17, et plus un nombre qu'on va trouver. Alors, 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21, plus 7, 28, plus 8, 36, plus 9, 45. 2 fois 45, égal à 12 plus 13, 25, plus 15, 40, plus 16, 56, plus 17, 73. Donc 73 plus x. Ainsi, on va trouver x est égal à 90 moins 73 égale à 17. Donc ici, ça va être la réponse A. Ah. Donc, combien de voix manque encore à Roman pour être sûr d'être élu? Donc, la situation critique, ce serait que Kylian remporte toutes les voix. Donc, il faut savoir quand est-ce que Roman est la majorité, en fait. Alors, 24 plus 29 plus 37. Donc, on regarde le nombre de voix déjà attribuées. Donc 9 et 4, 3 et 1, donc 53 plus 37, 90. Donc 130 moins 90 est égal à 40 voix. Donc ici, supposons que x est le nombre de voix que Roman obtient, supplémentaire que Roman obtient. Alors, si pour totaliser le nombre de voix pour Kylian, supposons que Sonia n'obtient plus d'aucune voix, eh bien ça va être 40 moins x. Ça, c'est le nombre de voix supplémentaires que Kylian obtient. Donc ici, il faut résoudre l'inéquation suivante. 29 plus 40 moins x doit être strictement inférieur à 37 plus x. 29 plus 40, 69 moins x inférieur strict à 37 plus x. Donc ici 2x, 69 moins 37, ça va nous faire 32. Donc x doit être strictement supérieur à 16. Donc ici, la réponse, c'est la réponse E. Car 16 voix, ça ne suffira pas. Il y aura une égalité. Et donc, il faut 17 voix pour que Roman soit sûr d'être élu. Alors, pour ce qui est du drapeau, on voit ici que cette partie-là peut convenir à combler ce trou-là. Et ici, cette partie-là comble cette partie-là. Donc si on déplace les morceaux de l'oiseau, eh bien on va retrouver ici ce rectangle. Donc tout cela sera colorié et il restera un rectangle vide. On sait que l'aire de l'oiseau blanc est de 192 décimètres carrés. Donc ici 192 décimètres carrés, on compte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Il y a 12 carreaux. Donc un carreau, donc A pour R, 16 décimètres
carré. Attends, on compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4. Donc il y en a 4. Donc un carré. Donc ici 16 décimètres carrés, donc ça veut dire 4 fois 4. 4 fois 4 décimètres carrés. Donc ici 4, 8, 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16 et 24. Donc ce sera la réponse, ici la réponse D. Alors ici on va pouvoir faire un graphique. Donc ici, C, la dépense de Chloé. B, la dépense de Boubou. Et A, la dépense d'Anaïs. Donc on sait que la dépense de Boubou est seulement 15% de celle de Chloé. Donc Chloé, ici, Chloé. Et donc, ici, 15%, donc c'est 0,15 C. Anaïs a dépensé 60% de plus que Chloé. Donc ici, 1,6 C. Ça, c'est Anaïs, Boubou et Chloé. Donc si on fait la somme, on va trouver 55. Donc ici, on aura 2,75. C est égal à 55. C est égal à 55 sur 2,75, ça nous donne 20. Et donc A est égal à 1,6C. Donc ici, 20 fois 1,6, eh bien ça fait 32. Donc c'est la réponse E. Alors, question 22. Question, problème de roue ici. Donc on va noter X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 et 7. On va poser x0 est égal à x, donc ce sera le nombre à chercher. On a x2 est égal à moins 3. Donc ici, on aura x1. x1, c'est x0 plus x2. Donc ici, x plus moins 3, moins 3. Alors, on sait que x2 est égal à x1 plus x3. Donc x3 est égal à x2 moins x1. x2 c'est moins 3, moins 3, moins x, moins 3, moins x, moins moins 3 plus 3, moins 3 plus 3, 0, donc moins x, restait moins x. Donc x3 est égal à moins x. x4, donc x4 c'est x3 moins x2. x4, x3 moins x2, x3 c'est moins x, et x2 c'est moins 3, donc moins moins 3 plus 3. Donc moins x plus 3. x5, c'est x4 moins x3. x4, c'est moins x plus 3, moins moins x, moins moins x. Donc ici, moins moins x plus x, moins x plus x, 0, donc il va rester 3. x6, eh bien c'est x5 moins x4. Donc ici, 3 moins moins x plus 3, moins moins x plus x. 3 moins 3, donc ça va rester x. Donc x6 est égal à x. Enfin, x7 c'est égal à x6 moins x5. Donc x6 c'est x moins 3. Et x7 c'est aussi égal à 7. Ici, à résoudre, x moins 3 est égal à 7. X est égal à 10. Donc x est égal à 10. C'est la réponse E. Alors ici, Nina pratique le sans longueur. La moyenne des sauts jusqu'ici est de 3,80 mètres. On va noter N, le nombre de sauts qu'elle a fait pour avoir une moyenne saut de moyenne, donc de moyenne M grand M, 0 est égal à 3,80. Donc si on note X1, XN, donc X1, XN, la mesure de chaque saut. Donc la moyenne c'est x1 plus etc. plus xn sur n est égal à 3,80. Donc ça c'est. Or ça veut dire ici que x1 plus 3 petits points plus xn est égal à 3,80 fois n. Alors maintenant on va ajouter un autre saut, donc on aura une moyenne m1.
Donc on a fait un saut de 3,99 mètres. Donc x1 plus 3 petits points plus xn plus 3,99 sur donc la moyenne n plus 1, on ajoute un saut. Cette moyenne est égale à 3,81. Donc ici, on sait que x1 plus 3 petits points plus xn est égal à 3,80 fois n. Donc ici, 3,80 fois n plus 3,99 égale à 3,80 fois n plus 1. Donc ici, on va développer 3,81 fois n plus 3,81. Donc on fait passer le 3,80 de l'autre côté, donc il restait 0,01n. Et 3,99 moins 3,81, c'est 0,18. Ainsi, ici, on va trouver n est égal à 0,18 sur 0,01, ou encore donc 18. Donc n est égal à 18. Maintenant, on veut x20, donc x1 plus 3 petits points plus x 18 plus x19 plus x20. Là, c'est sur 20. Et la moyenne, ici, on veut qu'elle soit égale à 3,82 mètres. 3,82 mètres. Donc ici, x1 plus x18 plus x19, c'est 3,81 fois 19. On cherche x20, on multiplie par 20 de chaque côté, on va trouver 3,82 fois 20. Donc ici, x20 est égal à 3,82 fois 20 moins 3,81 fois 19. Et si on fait le calcul, on va trouver 4,01 m. Donc ici, réponse D. Donc on lance 2D, standard. Donc on va faire un tableau des possibilités et on va faire la somme donc de chaque résultat. Voilà, et maintenant on surligne, on va surligner les nombres premiers. Donc ici, 2 est un nombre premier, 3, 5 est un nombre premier, 7 est un nombre premier, 7 est un nombre premier, 8 n'est pas un nombre premier, 9 n'est pas un nombre premier, 10 n'est pas un nombre premier, 11 est un nombre premier, et 12 n'est pas un nombre premier. Donc la probabilité calculée, on compte le nombre de fois, donc le nombre de nombres premiers, sur 36. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sur 36, c'est 3 fois 5 sur 3 fois 12, donc 5 douzièmes. Donc ici c'est la réponse E. Alors voici la question bonus, question numéro 25. 4 entiers positifs sont donnés, on en choisit 3. On calcule la moyenne des trois et on ajoute le quatrième, ce qui peut être fait de quatre façons différentes. Les quatre résultats obtenus sont 18, 24, 26, 28. Quel est le plus petit des quatre entiers donnés au départ? Alors ici on va noter N1, N2, N3 et N4, donc les quatre entiers à chercher. On sait que N1 plus N2 plus N3 plus N4, donc N4 sur 3 est égal à 18. N2 plus N1 plus N3 plus N4 sur 3 est égal à 24. N3 plus N1 plus N2 plus N4 sur 3 est égal à 26. N4 plus N1 plus N2 plus N3 sur 3 est égal à 28. Alors maintenant, si on fait la somme des 4 lignes, on aura N1 plus N2 plus N3 plus N4, N2 sur 3 plus N2 sur 3 plus N2 sur 3, donc là on aura N2, N3 sur 3, N3 sur 3 plus N3 sur 3, donc on aura N3, etc., etc. Donc on aura N1 plus N2 plus N3 plus N4
plus N1, plus N2, plus N3, plus N4. Donc si on fait 1, 2, 3, 4, donc là on a fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, on obtient cette ligne-là. On aura 18 plus 24 plus 26 plus 28. Donc ici, on va obtenir 96. Et là, on remarque qu'il y a 2 fois N1, 2 fois N2, 2 fois N3, 2 fois N4. Donc ici, 2 fois N1 plus N2 plus N3 plus N4 est égal à 96. Et donc N1 plus N2 plus N3 plus N4, c'est 48. Alors maintenant, si on note ça 5, eh bien ici, si on fait 5 moins 1, 5 moins 1, donc cette cinquième ligne moins cette première ligne, on va obtenir donc N1 moins N1, 0, N2 moins N2 sur 3, 2 tiers de N2, plus N3 moins N3 sur 3, donc N3, plus N4, c'est égal à 48 moins 18, on va avoir 30. Donc ici, N2 plus N3 plus N4, alors fois 3, 90, divisé par 2, 45. Donc N2 plus N3 plus N4, c'est 45. Donc ici, N1 plus N2 plus N3 plus N4, c'est 45 sur 3, donc 15. Donc plus 15 égale à 18, N1 est égal à 3. Donc ici, N1 est égal à 3. Alors on peut résoudre le système d'équation de cette manière-là. Donc ici, alors maintenant si on fait 5 moins 2, donc ici, on rappelle, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 moins 2, on va trouver 2 tiers, donc même raisonnement, N1 plus N3 plus N4 est égal à 48 moins 24, ça fait 24. Donc fois 3, 72 divisé par 2, 72 divisé par 2, 36. Donc N1 plus N3 plus N4 est égal à 36. Donc ici, N2 est égal à, alors N2 plus 36 sur 3, 12, égal à 24. Donc ici, N2 est égal à 12. Et maintenant, par même raisonnement, on va trouver N3 est égal à 15 et N4 est égal à 18. Donc le plus petit entier, donc le plus petit des 4 entiers donnés, eh bien c'est 3.